Bonsoir à tous. Kalispera Seolus. Prina Axiso. Thaiselana Efharistiso Therma, Tin Ephoria Archiotaton Phokidas, Metin Kyria Athanasia Psalti, Ke Ton Kyrio Nikolaou Petrochilo, Yatin Politimi Postirixi, Staplesia Aftutu Programmatos. Donc, je remercie l'Euphorie de Phocide pour son soutien dans ce projet, ainsi que Monsieur Dominique Mullier et les épigraphistes qui travaillent à Delphes, qui m'accompagnent dans toutes les étapes de ce projet, Anne Jacquemin et Didier Laroche également, qui ont répondu à beaucoup de questions d'architecture, et enfin Klaus Allof, directeur des Inscriptiones Graecae à Berlin, qui m'a autorisé à étudier et consulter les archives de Hans Ponto, sur lesquelles je reviendrai à la fin de cette communication. Comme cela a été rappelé, le projet pour lequel j'ai été recruté à l'École française d'Athènes s'articule en deux volets. Il s'agit premièrement de préparer un fascicule du corpus des inscriptions de Delphes destiné à rassembler l'ensemble des dédicaces du sanctuaire d'Apollon et du territoire de la cité, comprises dans la période qui va de l'époque archaïque à la fin de l'époque hellénistique. Et le deuxième aspect consiste à étudier, dans le prolongement de ce travail, l'empreinte monumentale laissée par les notables et leurs familles dans l'espace du sanctuaire, en choisissant, dans un cas comme dans l'autre, pour terme de cette étude, l'avènement d'Auguste, dans la mesure où les bases de l'époque impériale font l'objet d'une étude en cours de la part de Rachel Nouet, ancienne membre de l'école, qui éditera également les inscriptions correspondantes. Alors cet intérêt pour la mise en scène des élites et tout particulièrement des familles dans l'espace public s'inscrit, s'explique dans mon cas, par les prolongements qu'un tel sujet permet d'établir avec les questions qui m'ont occupé dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue à l'automne dernier sur le marché de la terre et du crédit à Athènes et dans les Cyclades du 4e au 2e siècle avant notre ère. Dans la continuité de ce sujet, qui m'a conduit à étudier l'histoire des familles à travers leur stratégie successorale et matrimoniale dans le domaine foncier, il s'agit désormais d'étudier leurs pratiques évergétiques et les traductions monumentales de ces dernières au sein d'un grand sanctuaire panhellénique. Comme l'a montré récemment Nicolas Kyriakidis, à partir de l'analyse d'une trentaine de dédicaces émanant de notables delphiens, ce type de documentation, souvent négligée des historiens, se prête en effet à l'étude des relations sociales et notamment des processus d'aristocratisation qui semblent avoir précédé à Delphes l'évolution oligarchique des institutions qui s'observe à la toute fin de l'époque hellénistique. Delphes peut donc être considéré de ce point de vue comme un laboratoire privilégié pour étudier ces évolutions sur la très longue durée, entre les premières dédicaces sur trépied de bronze à la toute fin du 7e siècle, et les dernières statues offertes par des empereurs au 4e siècle de notre ère. L'ouvrage consacré par Anne Jacquemin aux offrandes monumentales de Delphes en 1999, ainsi que les articles qu'elle consacre à certains monuments votifs en collaboration avec Didier Laroche, ont illustré la fécondité du croisement des textes littéraires et épigraphiques et des données matérielles pour replacer l'étude des offrandes monumentales dans l'espace architectural, social et politique du sanctuaire. Une approche dont les synthèses récentes de Guillaume Biard sur la représentation honorifique et de John Ma sur les statuts des espaces civiques à l'époque hellénistique peuvent être considérées comme des aboutissements. Toutefois, Anne Jacquemin elle-même estimait nécessaire de compléter son étude par l'établissement du corpus épigraphique des dédicaces qu'elle avait envisagé en temps de reprendre à la suite de Claude Batin, ce qui m'amène à la présentation du corpus. Donc, j'aborderai d'abord les contours du corpus et ses enjeux, notamment sur le plan de l'établissement des textes,
Avant d'en venir plus précisément à l'étude de quelques monuments privés. L'histoire de l'épigraphie à Delphes, qui commence avant la Grande Fouille, a été retracée par Jean Bousquet à l'occasion du centenaire des fouilles françaises et plus récemment par le regretté Georges Rougemont dans un article paru en 2015 dans Topos. Tout usager des inscriptions de Delphes, pour reprendre l'expression de Georges Rougemont, est confronté aux conséquences du compromis insatisfaisant passé entre l'École française d'Athènes et l'Académie des inscriptions de Berlin, juste avant la Grande Fouille, qui s'est soldé par l'échec du volume 8 qui avait été confié à Hans Pomto pour les Inscriptiones Graecae, volume qui, bien qu'achevé sur le papier, n'a jamais paru et s'est soldé par de vifs conflits pour la publication des inscriptions entre épigraphistes français et allemands. La série épigraphique des fouilles de Delphes, FD3, ne comble qu'imparfaitement l'absence d'un corpus complet des inscriptions du sanctuaire et de son territoire. Les documents trouvés avant la Grande Fouille en sont absents, et surtout le choix d'une publication qui suit un ordre topographique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, joint à l'absence de plusieurs volumes, ont contribué à la dispersion de la documentation. C'est à ces problèmes qu'entend répondre l'entreprise du corpus thématique des inscriptions de Delphes, le CID, lancé par Georges Daud en 1952 et dont les volumes ont commencé à paraître à la fin des années 1970 avec le volume de Georges Rougemont sur les lois sacrées et règlements religieux. Le premier fascicule du volume 5, édité par Dominique Mullier, avec la première moitié de quelques 1341 actes d'affranchissement, vient tout juste de paraître et illustre la progression de cette entreprise qui continue avec la préparation de deux autres fascicules du CID 5 et des fascicules du CID 6. Préparé par Mathilde Doute, Nicolas Kyriakidis et Richard Bouchon sur les lois et décrets de la cité. Comme dans tout corpus, il s'agit de rassembler, de classer, de procéder au réexamen autopsique des documents jusque-là dispersés. Les cinq volumes parus ont montré l'importance de cette mise en série des inscriptions, essentielle pour préciser l'évolution des formulaires et pour réviser les restitutions et la datation des documents. Quelle serait, pour les dédicaces, l'étendue d'un tel corpus? L'organisation interne du CID, qui procède davantage par thème que par un strict classement par genre, pose des problèmes de définition sur lesquels Georges Rougemont est revenu récemment. Anne Jacquemin a par ailleurs souligné les spécificités du formulaire de la dédicace à Delphes, qui tend souvent à omettre le verbe de la consécration et, plus souvent encore, la divinité à laquelle l'offrande est destinée, divinité qui n'est pas toujours Apollon. Dans ces conditions, il conviendrait de ne pas s'en tenir aux seules consécrations avec un dédicataire au datif, mais d'intégrer également à ce fascicule les légendes de statues ou les épigrammes dédicatoires sous un titre comme base et dédicace. Pour mener à bien mes recherches préliminaires, je me suis appuyé en premier lieu sur l'inventaire le plus complet à ce jour des offrandes de Delphes, le catalogue placé en annexe des offrandes monumentales d'Anne Jacquemin. Outre les dédicaces de l'Apollonionne, il s'agirait d'inclure également les quelques dédicaces que compte le gymnase et d'autres sanctuaires cités dans l'enceinte de la ville antique, en premier lieu ceux de la terrasse de Marmaria, à l'est de cette carte. Mais j'ai été conduit également à prendre en compte tout un ensemble de dédicaces qui n'apparaissent pas dans le catalogue d'Anne Jacquemin, comme les offrandes non monumentales de l'antre corinthien, qui fait partie du territoire de Delphes et permet d'appréhender un milieu social plus local et plus humble que celui de l'Apollonionne. Ces recherches préliminaires m'avaient permis, à mon entrée à l'école, de parvenir à un corpus de près de 450 inscriptions pour l'ensemble de la période, dont la moitié seulement figure dans la série des fouilles de Delphes 3. Comme on le voit sur ce tableau, cela représente un corpus de plus de 300 dédicaces, si je m'en tiens à celles antérieures à l'avènement d'Auguste qui me concernent plus directement.
Les plus de 300 inscriptions envisagées pour ce seul fascicule représentent pas moins de 500 fragments distincts, en comptant un certain nombre de petits fragments inédits, qu'il s'agit de localiser, de mesurer, d'étudier et parfois de publier pour la première fois. C'est dire l'importance de travail de terrain que nécessite la réalisation d'un tel corpus, même avec les moyens modernes. En effet, dénombrer, mesurer, classer, mais aussi établir le texte des inscriptions, se double ici de la nécessité de replacer les inscriptions dans leur contexte architectural, spatial, social, ce qui implique d'acquérir une connaissance des questions delphiques par la fréquentation des publications, mais aussi une connaissance intime des pierres, et pas uniquement des pierres inscrites à une époque où l'épigraphie s'adapte aux critiques qui lui ont été adressées, notamment de la part des historiens de l'art, vu qu'on ne saurait plus produire un corpus qui ne tienne pas compte de la nature et des caractéristiques architecturales des supports. La première étape a ainsi consisté à repérer les pierres et à les décrire, à les photographier également, entreprise qui a été facilitée par le travail mené au début des années 1990 par des membres et anciens membres de l'école qui ont procédé à l'inventaire et au rangement des apothèques. En accompagnant cette campagne d'une opération de photographie systématique des blocs qui n'avaient pas fait l'objet de photographies antérieurement, avec la collaboration de Philippe Collet et de Gérard Réveillac. Comme le disait Jean Bousquet, par bonheur, tout est à présent à peu près recensé et photographié. Cela ne dispense pas d'effectuer une couverture photographique personnelle, qui est l'occasion de repérer les fragments, d'en étudier le matériau, parfois difficile à établir sur des clichés en noir et blanc, mais aussi d'expérimenter de nouvelles techniques de prise de vue. C'est notamment ce que j'ai tenté de faire au cours des premières années de mes passages à Delphes, en m'appuyant sur la technique dite de la RTI, Reflection Transformation Imaging, qui permet, en combinant plusieurs images prises sous le même point de vue mais avec un éclairage différent, de pouvoir faire jouer la lumière par la suite sur un ordinateur, ce qui en facilite le déchiffrement et facilite l'édition des inscriptions. Ce type de technique rejoint un projet mené à l'école, notamment par Michel Brunet, le projet Estampage, qui s'est appuyé sur un algorithme différent, fondé là aussi sur des éclairages différents d'un même estampage. Cet autre algorithme est particulièrement prometteur puisque j'ai pu me rendre compte qu'il permettait, avec seulement 3 ou 4 images, d'obtenir de très bons résultats également pour une inscription et pas seulement pour un estampage. Je montre ici quelques exemples de ce à quoi on peut parvenir avec seulement donc quelques photographies. Sans avoir à situer manuellement la lumière lors du traitement, ce qui pourrait permettre, comme on le voit à gauche avec un exemple tiré de ma thèse, le registre de Ténos dans les Cyclades, et à droite à partir d'une inscription de Delphes que j'examinais pour Dominique Meulier, cela permettrait donc un traitement rapide et massif des pierres pour faciliter leur examen futur, mais aussi pour permettre d'ajouter une nouvelle fonctionnalité dans des compléments numériques au corpus papier qui permettrait, en l'occurrence, par le biais d'un navigateur Internet, comme vous le voyez ici, de vérifier des lectures et de s'entraîner au déchiffrement d'inscriptions. Un autre volet de cette opération de recensement encore en cours concerne un repérage des inscriptions, repérage qui a été complété dans les réserves récemment par Richard Bouchon et Nicolas Kergakidis après un nouveau déménagement, mais qui se poursuit désormais pour les pierres situées à l'extérieur et notamment sur un certain nombre de dépôts situés à l'extérieur du musée. Il s'agirait, dans le cadre du projet de SIG animé par Amélie Perrier, avec l'aide de Lionel Fadin et de Cindy Guillaume, de mettre à jour les indications présentes dans la base de données mise au point par les épigraphistes de Delphes,
Afin de préciser l'emplacement des blocs, jusque-là connu uniquement par le kerroyage de l'Atlas pour le sanctuaire, et d'enregistrer de façon définitive les blocs présents sur les terrasses à l'aide d'orthophotographie. L'idée serait de parvenir à un résultat comparable à celui que j'ai contribué à mettre en place à Delos, sous la direction de Stéphanie Maillot, avec une interface qui permettrait de voir les inscriptions qui sont présentes in situ dans le sanctuaire et d'en afficher facilement des photographies et toutes sortes d'informations liées au corpus. Le dernier aspect consiste à préparer une illustration graphique comparable à celle du corpus de Vassilis Petrakos pour l'Amphiaraïon d'Oropos, avec l'aide d'un architecte, Dimitris Bartsis, qui collabore au programme depuis l'année dernière. En procédant à des relevés de la plupart des bases liées à la statuaire honorifique à l'échelle 1 dixième, on se dote en effet d'un précieux outil de comparaison qui permet d'intégrer dans les séries de supports d'offrandes des bases qui ont été exclues généralement de ces études du fait, de leur caractère fragmentaire. On le verra tout à l'heure avec l'exemple d'une base pour une prêtresse d'Iliti, dont le mauvais aspect rend très mal sur les photographies, ce qui explique qu'elles n'apparaissent pas dans les typologies. Cette opération, qui a accompagné les relevés épigraphiques au cours de l'année écoulée, invite de fait à étudier les similitudes et les phénomènes d'imitation qui rapprochent les offrandes privées et publiques, par-delà les délimitations institutionnelles que pourrait favoriser un examen limité au seul texte de l'inscription. J'en viens donc au deuxième aspect de cette présentation, aspect qui relève d'une étude toujours en cours, pour laquelle je serais heureux d'avoir vos réactions et vos suggestions. À savoir donc l'étude des monuments privés en contexte à l'époque hellénistique à Delphes. De fait, ce corpus, en favorisant la mise en série des inscriptions, peut constituer la base d'une étude d'histoire sociale sur les monuments privés qui n'ont pas le plus retenu l'attention. Bien qu'à Delphes, les offrandes de communautés politiques, de cités, de confédérations, aient laissé aujourd'hui encore les vestiges les plus visibles, comme l'illustrent notamment les trésors archaïques, on peut voir sur ce tableau que les dédicaces de particuliers sont bien plus nombreuses et permettent d'accéder à une autre réalité en donnant un aperçu de cette forêt d'offrandes et de statues honorifiques qui peuplait encore le sanctuaire à l'époque de Pausanias. En second lieu, cette concurrence entre monuments élevés par des cités et monuments élevés par des particuliers justifie d'aborder le problème de l'emplacement antique de ces monuments, avec la question de l'espace dont John Ma a souligné la signification politique dans les agoras et les sanctuaires particulièrement encombrés de l'époque hellénistique. On serait, dans cette perspective, tenté de préciser les lieux d'exposition des bases, ce qui pose d'importants problèmes de méthode. Au sein des monuments honorifiques privés, dont le développement dans le sanctuaire suit de quelques années le développement de la représentation honorifique publique, je suis conduit à accorder, en outre, une attention particulière aux dédicaces qui sont susceptibles de contribuer à l'étude des monuments familiaux. Dans l'une de ces remarques programmatiques, dont Louis Robert émaillait les notices du bulletin épigraphique, il avait souligné en effet l'intérêt qu'il y aurait à recenser de façon systématique, je cite, les bases de monuments honorifiques de famille, qu'il s'agisse de souverains ou de bourgeois, en ajoutant que leur classement chronologique serait très intéressant pour l'histoire des honneurs et pour la place tenue dans les cités par les familles de notables. La remarque a poussé John Ma à entreprendre une étude d'ensemble de ce genre à l'échelle du monde grec, et Guillaume Biard a souligné tout l'intérêt de ces monuments situés à mi-chemin entre la sphère publique et la logique généalogique de la famille. Financés généralement par les intéressés eux-mêmes ou leurs parents, ces monuments n'en sont pas moins installés dans l'espace public, de l'agora ou d'un sanctuaire, ce qui suppose toujours une forme de négociation. Mais à la différence des monuments honorifiques financés par les cités, les monuments privés ont pour particularité de ne pas glorifier le personnage honoré dans son individualité, mais d'insister très souvent sur son entourage familial,
de sorte que le genre des Singenica est porteur en lui-même d'une évolution de la représentation honorifique qui laisse une place croissante à la glorification dynastique. Dans ce domaine, les recherches, notamment architecturales, se sont concentrées à Delphes sur des monuments particulièrement significatifs, dont il est possible de reconstituer l'emplacement, parfois même, dans le cas du monument de Daokos, les fondations. Je n'entends pas revenir ici sur le monument de Daokos, qui constitue un exemple magistral de monument généalogique, ni sur les monuments étoliens à deux colonnes, typiques du IIIe siècle à Delphes, dans la mesure où ces deux types de monuments ont fait l'objet d'études de la part d'Anne Jacquemin et de Didier Laroche, études encore en cours, pour les monuments à deux colonnes. Il en va différemment de la grande masse des monuments privés et plus généralement des statues honorifiques pour lesquelles nous n'avons pas d'autres indications que celles qui figurent sur le monument lui-même. Pausanias, en effet, ne s'intéresse pas à ces monuments dans son parcours du sanctuaire. Il ne mentionne que de façon exceptionnelle certaines bases de statues, comme celle de Gorgias de Leontinoï, offerte par l'orateur lui-même au Ve siècle, ou celle de la courtisane Phrynée au IVe, attribuée à Praxitèle. Et il ne s'attarde pas à Delphes sur les statues des vainqueurs au concours, puisqu'il en a traité en détail dans sa description d'Olympie. C'est donc une approche inverse qu'on est tenté de mettre en place en partant des indices que livrent les sources presque exclusivement archéologiques et épigraphiques. Celles-ci nous dirigent loin des personnages et des événements illustres qui avaient la faveur de Pausanias ou des anecdotes morales de Plutarque, vers les péripéties de l'histoire la plus locale, celle des élites de Delphes et des notables des régions immédiatement voisines, comme les Phocidiens, les Locriens, et pour le cas particulier du IIIe siècle, les Étoliens, pour lesquels le sanctuaire était indissociablement un lieu dévolu à la piété et un centre politique qui se prête à la mise en scène, un épiphanestatos topos, pour reprendre la formule consacrée dans les textes épigraphiques. Une telle étude apparaît légitime dans le contexte d'un tournant historiographique qui est sensible depuis trois décennies et qui est venu rappeler opportunément que Delphes, avant d'être un sanctuaire panhellénique, est d'abord une cité, typique par sa taille et son fonctionnement de beaucoup de cités de Grèce centrale. C'est la thèse de Nicolas Kyriakidis, Delphone Politeia, qui est allée le plus loin dans cette direction, mais elle a été préparée en un sens par l'ouvrage de Denis Rousset sur le territoire de Delphes et la terre d'Apollon, qui a remis en cause une supposée spécificité delphique dans le domaine des réalités foncières. Et on pourrait citer de même la thèse de Richard Bouchon pour l'étude de la notabilité delphique à l'époque impériale, ou encore l'étude qu'ont consacrée Anne Jacquemin et Didier Laroche à un espace situé au cœur du sanctuaire et dans lequel il voudrait voir le centre politique de la cité de Delphes, son agora. Dans un article de 2014, Nicolas Kyriakidis a esquissé une opposition qui permet de rendre compte de l'évolution du genre honorifique privé au cours de l'époque hellénistique à partir de l'échantillon que constitue la trentaine d'offrandes attribuables à des citoyens de Delphes entre la fin de l'époque classique et la fin du 1er siècle avant notre ère. Nous pouvons distinguer, pour le citer, deux régimes de l'offrande monumentale privée entre les 4e et 3e siècles d'une part et les 2e et 1er siècles d'autre part. La première période, qui est aussi celle pour laquelle nous sommes moins renseignés sur la société civique du fait de l'absence des actes d'affranchissement et de la mention très exceptionnelle du patronyme dans la documentation des décrets, cette période est dominée, dans le cas de l'offrande privée, par des consacrations pieuses destinées à un large éventail de défis de divinités. Les Delphiens s'aventurent peu dans le sanctuaire d'Apollon et se démarquent par des offrandes à des divinités d'autres sanctuaires sans se mettre directement en scène dans des portraits honorifiques. On peut le voir avec quelques exemples que j'ai étudiés dans les réserves.
Avec essentiellement des CIP et des petites bases destinées, comme vous le voyez ici, comme on le voit ici, à Dionysos, à Asclépios, ou encore peut-être dans le cas d'une dernière base, à Héra, par des citoyens et des citoyennes de Delphes, avec l'exemple au centre d'Aristione, fille de Cléonos, dans cette dédicace à Asclépios. La chose serait encore plus nette si on y adjoignait les dédicaces de l'antre corycien avec des offrandes à Pan et aux nymphes qui impliquent un milieu diversifié, fait d'une petite notabilité locale et régionale. La seconde période, après un recul des consécrations des Delphiens au cours du IIIe siècle, qui paraît s'expliquer en premier lieu par la mainmise étolienne sur le sanctuaire, est marquée par un essor des offrandes qui relèvent de la statuaire honorifique privée, souvent offerte par des proches. L'éclairage apporté par l'affranchissement, avec les actes gravés sur le grand mur polygonal en particulier, à partir des années 200 et pour toute la première partie du IIe siècle, donne à ces consécrations l'arrière-plan nécessaire pour dresser le portrait sociologique des dédicants. Il apparaît que ceux-ci comptent désormais parmi la grande notabilité politique de la cité, puisqu'ils figurent fréquemment parmi les archontes et les bouleutes et autres magistrats qui interviennent dans les formules de datation des actes et des décrets, tandis qu'on est mieux en mesure de reconstituer les liens généalogiques au sein de ce milieu, en constatant que deux familles en particulier, sur lesquelles nous reviendrons, tendent à concentrer une partie importante de ces offrandes, l'une plutôt dans la première moitié du IIe siècle, l'autre un peu plus tard. De façon rapide, je souhaiterais exposer ici quelques pistes qui pourraient contribuer à prolonger l'analyse par la mise en série des consécrations des Delphiens avec les consécrations érigées à la même époque par d'autres cités au sein du Théménos d'Apollon, avec une attention particulière pour les caractéristiques architecturales du monument. Un premier exemple qui ressort lorsqu'on compare ces consécrations est leur parenté avec les monuments honorifiques consacrés par les cités de la même période, ou plus exactement d'une période légèrement antérieure. Comme on peut le voir avec l'observation des lits d'attente relevée par Dimitris Bartsis, on constate que tous ces monuments de statut privé élevés par les Delphiens sont typiques de statues en bronze avec des marques de scellement, distinguant clairement ces semelles fines typiques de l'époque hellénistique. Statues en bronze, donc, qui sont la forme par excellence de la statue honorifique exposée en public, par opposition aux statues en marbre fréquemment abritées des intempéries. On observe par ailleurs, au moins pour le IIIe siècle et la première moitié du IIe siècle, une prédominance pour des bases monolithes, qui reste à cette époque la forme la plus courante de la statuaire honorifique à Delphes, qu'elle soit publique ou privée. Le relevé architectural facilite ici les comparaisons et on peut constater en particulier que la longueur des semelles, entre 22 et 25 cm, ne se distingue guère de celles qu'on observe pour des statues en pied officielles. Un sous-ensemble se dessine toutefois au sein de cette série. Les statues honorifiques de la haute époque hellénistique. Celles, pour le cas de Delphes, de deux bases qui présentent un même traitement des parements du bloc, avec une dédicace inscrite sur un panneau en relief, ménagé au moyen d'une ciselure périmétrale, selon les termes du dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, cadre en retrait qui se répète sur les faces latérales. C'est la forme adoptée ici, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, pour les deux statues de prêtresses d'Ilitie, offertes l'une plutôt à la fin du IIIe siècle, à gauche, l'autre au début du IIe, à droite. Une troisième base de ce type, offerte peut-être à la fin du IVe siècle, mais connue uniquement par les relevés qu'en ont donné Hans Pomto et Levi pourrait se rapporter à un Delphien de la fin du IVe siècle, mais la datation dépend du jugement de Pomto et de l'exactitude de son fac-similé, en particulier pour la forme
des lettres. Tandis que l'identification de l'individu, tout comme de la divinité à laquelle la statue est consacrée, peut-être Aphrodite, reste sujette à caution. Paradoxalement, ce sont les publications d'épigraphie, accusées généralement de négliger le support au profit du texte, qui ont le plus fréquemment relevé ce type de base à Delphes, que les LEM des FD3 évoquent en parlant de cadre en retrait. Et de fait, ils se retrouvent avec une certaine régularité dans les bases de statues honorifiques et dans les blocs de certains monuments utilisés comme support secondaire pour des inscriptions, avec un bandeau de 3 cm à 3,6 cm pratiqué le long des arêtes des faces de parement. Anne Jacquemin en a relevé quelques exemples, sans toutefois en faire une véritable série, puisqu'elle cite essentiellement 2 exemples, le troisième étant plutôt un simple cadre poli sans véritable panneau en relief. Cette mode décorative passe à peu près inaperçue dans la synthèse d'Inga Schmidt sur les bases de statues hellénistiques, dont l'intérêt paraît porter davantage sur les bases composées et sur de nombreux exemples des liens en la matière. Cette variante de la base monolithe, apparemment spécifiquement delphique, pourrait malgré tout présenter un intérêt pour préciser les influences entre monuments élevés par les cités et par des particuliers, question centrale, mais toujours délicate pour les bases isolées, en apportant quelques éléments de réponse sur l'emplacement et l'environnement des statues honorifiques privées. Cette série, en effet, est constituée d'une vingtaine de monuments, à quoi s'ajoutent plusieurs fragments. J'en présente seulement ici quelques exemples. Quelques-uns apparaissant déjà sur des monuments honorifiques de la fin et du milieu du IVe siècle. Pour étudier ce décor, il importe de rappeler que ce type de mode en soi n'est pas isolé en architecture. On pourrait le rapprocher de ce qu'on a appelé l'architectural style dans l'Athènes du début du 5e siècle, qui a fait l'objet d'une étude récente de Johannes Fouquet dans un volume consacré justement aux dédicaces sur statues d'un point de vue esthétique, limité à la fin de l'époque archaïque, au début de l'époque classique. À l'origine, ces ciselures constituent des guides qui remplissent une fonction analogue aux feuillures et aux plumées des appareils à bossage nécessaires pour l'alignement des blocs et destinés à disparaître au moment du ravalement, mais qui finissent par devenir un motif en soi dans une esthétique de l'inachèvement dont on peut voir déjà à Delphes un exemple avec la dédicace du portique des Athéniens qui a été relevée également par Johannes Fouquet dans cet article. À Delphes, plusieurs monuments présentent au IVe siècle ce jeu esthétique qui paraît avoir séduit en particulier pour l'architecture en calcaire et spécialement en calcaire dit de Saint-Élie. C'est le cas du trésor thébain à l'angle sud-ouest du Téménos et du temple de calcaire à Marmaria, étudiés tous deux par Jean-Pierre Michaud. Deux édifices doriques qui ont tiré parti d'une esthétique sobre fondée sur le contraste dans le traitement des parements avec des panneaux piquetés entourés d'une ciselure périmétrale lisse et en retrait, comme vous le voyez ici, sur plusieurs blocs du trésor thébain qui sont conservés sur des dépôts. C'est le cas surtout à la même époque du traitement des degrés de la crépisse du temple en cours de reconstruction au milieu du IVe siècle, après la catastrophe qui a ruiné le temple des Alcméonides. On le voit en particulier sur la crépisse avec la ciselure pratiquée au lit de pose, mais un cadre était également incisé sur les faces de parement qui tend à disparaître aujourd'hui. Mais on peut imaginer également que sur d'autres parements du monument, encore visibles pendant sa construction, ces panneaux en relief apparaissaient avant d'être ravalés, comme on le voit ici, notamment sur le massif de fondation. C'est dans ce contexte de la reconstruction du temple qu'apparaît la première base
qu'on pourrait rattacher à cette série, j'y viendrai dans un instant, et de fait, c'est dans la région du temple qu'orienterait d'autres indices. À la même période, l'offrande du groupe de Daokos présente sur l'assise porte-statue ce traitement caractéristique avec le panneau en relief et souligné par une double feuillure au lit de pose qui paraît faire écho à la crépisse. C'est le cas également pour le pilier des Rhodiens, élevé plus tard dans la même région, dont les degrés inférieurs présentent un traitement similaire qui a parfois fait hésiter pour l'attribution de certains fragments entre une base ou ce monument. C'est dans ce contexte qu'apparaît la base qu'on peut rattacher à cette, la première base qu'on peut rattacher à cette série, base qui pourrait du reste avoir contribué à déterminer l'essor de ce sous-genre à Delphes, avec la base inventaire 631 pour le couple fraternel d'Idrieus et Ada, s'attrape tour à tour dans la carie des Hécatomnides. C'est une offrande publique milésienne, mais dont le thème, un couple de souverains, a pu être une source d'inspiration pour des monuments familiaux, si on se rappelle la formule de Louis Robert, monument de souverain ou de bourgeois. À la date d'installation de ce monument, avant 340, la terrasse du temple est encore dominée par le chantier et l'élément qui est le plus visible sur le temple du IVe siècle est vraisemblablement constitué par les monumentales assises en calcaire de Saint-Élie qu'on peut encore observer aujourd'hui. D'où l'hypothèse formulée ici, je me demande si cette vingtaine de bases de statues identifiées datables de la seconde moitié du IVe siècle à la première moitié du IIe n'auraient pas pour caractéristique commune de s'être élevées à proximité immédiate du temple. Le matériau employé, le calcaire de Saint-Élie, dans l'ensemble de la série, et les jeux de lumière induits par ces ciselures, renforcés pour certains spécimens par une feuillure double au lit de pose, rappellent celle de la crépisse et n'iraient pas contre cette hypothèse. C'est aussi ce que pourrait suggérer cet emploi constant du matériau quand on pense aux études récentes qui ont été menées à Delphes par Marie-Lou de Valls et l'équipe qui travaille sur la pierre à Delphes, dont vous voyez ici les premiers résultats à gauche de cet écran. C'est aussi ce que pourraient suggérer les lieux de découverte des blocs et fragments concernés, bien qu'on observe dans ce cas, comme dans d'autres exemples à Delphes, un habituel halo de dispersion. Je n'ai pas eu le temps de les reporter sur le plan, mais on observe une tendance forte vers les angles sud, vers les angles ouest et est du grand mur polygonal, ce qui est une situation assez typique pour des offrandes qu'on rattache habituellement à la terrasse du temple. C'est également à la terrasse du temple, un peu en amont, entre l'Iskegaon et le théâtre, qu'il faudrait replacer deux grandes bases présentant ce cadre en retrait, identifié par Jean Pouillou dans le fascicule FD3-4. On notera enfin le cas du stylobate d'un des monuments à colonne, le monument d'Aristaineta, qui présente une seconde dédicace sur un panneau en relief au traitement très similaire à celui des bases étudiées. Nous pourrions citer à ce sujet le cas d'une base qui s'intègre dans cette série, quoique avec des dimensions légèrement plus importantes, environ 36 cm de hauteur, alors qu'on observe plutôt des dimensions autour de 30 cm pour le reste de la série, qui se trouve aujourd'hui dans le jardin devant les bureaux de l'Éphorie. La face portant la dédicace en a été méthodiquement martelée, de même que la ligne qui paraît avoir porté la signature de l'artiste. Une telle mesure suggère que le bloc portait la statue d'un personnage influent qu'on placerait volontiers près du temple à cette période. On pourrait penser à un chef phocidien ou à un notable delphien qui aurait soutenu leurs entreprises. Les traces de scellement, qui pourraient correspondre à un homme appuyé sur une lance, d'après le jugement de Théophile Homol, iraient dans le sens également d'un chef guerrier. Toujours est-il que le décret gravé sur la face de droite de cette base, que je n'ai pas reproduit ici, pourrait faire penser qu'il se situait à proximité immédiate de la base du monument d'Aristaineta,
puisqu'on y retrouve un décret lié à la même famille. Ces monuments témoignent en tout cas de la grande proximité matérielle et esthétique entre les monuments honorifiques élevés par les cités et par les particuliers, que seuls distinguent leur dédicace et l'identité des dédicants. Dans certains cas, la parenté des monuments peut faire soupçonner l'existence d'un programme familial en dépit de la nature distincte des dédicants, privés ou publics. C'est le cas ici pour deux bases monolithes qui présentent ce traitement caractéristique, élevées au IIe siècle en l'honneur de deux personnages d'une même famille, avec à gauche la statue de Damaïnétos, élevée par ses fils Eudikos et Oxymakos, donc Damaïnétos d'Amphissa en Locride, et à droite le monument élevé par la cité de Physcaïs en Locride occidentale en l'honneur du fils du personnage honoré à gauche. Cette succession des générations et certains détails dans l'écriture ont conduit peut-être un peu trop rapidement à imaginer un écart de 30 ans environ entre les deux monuments, alors que leurs caractéristiques formelles et la position des pieds au lit d'attente plaideraient volontiers pour imaginer deux monuments placés d'emblée en regard l'un de l'autre, en dépit de la nature différente des dédicants. De fait, si cette forme paraît être adoptée par la notabilité locale au début du IIe siècle, dans un contexte qui correspond sur le plan politique à l'abaissement de l'Étolie, elle paraît décliner rapidement dans les décennies suivantes. Et sur ce point, deux bases qui se rapportent à la même famille de Delphes pourraient apporter une illustration. Nous retrouvons à gauche la base pour la prêtresse Passicone, déjà évoquée, consacrée par son mari, donc inventaire 820, et à droite, la base de Xénon, fils de Boulone, connue par deux fragments jointifs conservés aujourd'hui dans l'épigraphico du haut, inventaire 1763 et 949. Passicone, représentée sur la première base, simple base monolithe à ciselure périmétrale, a toutes les chances d'être la grand-mère du Xénon de la seconde dédicace qui se place dans les années 160. C'est l'interprétation privilégiée par Dominique Mullier dans son commentaire des actes 264 et 292 du nouveau fascicule du CID5, gravés tous deux sur le grand mur polygonal. Et elle paraît confortée par le fait que Xénon intervient dans le second acte comme un ayant droit qui non seulement donne son accord à la transaction, mais en a l'initiative, Kéleontos, ce qui se concilie au mieux avec l'hypothèse d'un héritier en ligne directe, qui serait donc plutôt le petit-fils de la vendeuse, plutôt que celle d'un cousin éloigné. Identifié alors à la mère de Boulogne, mort assassinée sur le chemin du retour d'une ambassade à Rome en 189, l'effigie de Passicone est donc nécessairement, mais de peu, antérieure à cette date, puisque ce dernier participe à la consécration avec les deux autres fils du couple, comme vous le voyez sur le stéma privilégié ici. La seconde base, sur laquelle un éclairage multidirectionnel permet de confirmer la correction apportée à la lecture de la dédicace dans le fascicule de Robert Flacelière, est d'un type radicalement différent. Si la face supérieure reste typique d'une statue de bronze en pied, comme vous le voyez ici sur cette reconstitution de Dimitris Bartsis, qui présente donc l'amorce du pied droit de la statue, on voit qu'elle se rattache à un type de base moulurée d'un type très différent, qui est celui qu'on rencontre donc dans tout point du monde grec à la basse époque hellénistique, donc avec ici un bloc de couronnement mouluré. Tous pourraient donc suggérer qu'on observe un passage de ces bases monolithes à des bases composées. C'est une tendance similaire qu'on peut observer pour les offrandes d'une influente famille de Delphes, celle de Praxias et Praxo, que vous voyez ici sur un stéma tiré de la thèse de Georges Daud sur Delphes au IIe et au Ier siècle.
Famille à laquelle on peut rattacher quatre offrandes au cours du IIe siècle. Si on laisse de côté la consécration la plus ancienne, probablement un fragment de base dédié à Aphrodite, les trois autres offrandes consacrées entre 175 et les années 120 environ pour la plus récente trahissent une nette faveur pour des groupes statuaires qu'il est tentant d'interpréter comme des instantanés familiaux, ainsi que le suggèrent les faces latérales parées à joint de ces blocs que vous voyez ici avec des relevés préliminaires de Dimitris Bartsis. Ces blocs et les dédicaces croisées, commanditées par des proches du personnage honoré, la mère, le fils, le frère, suggèrent donc que ces blocs s'intégraient dans des groupes familiaux. La forme rappelle des bases monolithes, mais elle est trompeuse. On le voit en particulier pour le bloc représenté au centre de cet écran, l'inventaire 55-58, où un cadre d'anathyrose donc indique que le bloc était paré à joint et qu'il se complétait d'un autre bloc avec le pied droit de la statue. Bloc qui, par conséquent, doit plutôt s'interpréter comme une assise de couronnement, ainsi que l'avait déjà suggéré Pierre de la Côte Messellière. On voit ainsi s'imposer au cours du IIe siècle une tendance en faveur des bases composées, déjà en usage ailleurs pour des groupes qui relevaient de la statuaire honorifique publique, dans le cadre cette fois des offrandes privées des notables locaux. La chose est plus nette encore au premier siècle avec le groupe statuaire représenté au milieu du siècle sur le même bloc de couronnement d'une base composée, assemblée ici de façon provisoire par Dimitris Bartsis, où un alexandrin, Apollonios, et un delphien, Nicandros, fils de Nicandros, dédient mutuellement la statue de l'autre. Ce qui constitue vraisemblablement la mise en scène d'un entregent diplomatique d'un notable local qu'il est tentant de mettre en parallèle avec le monument où Diodoros, fils de Diodoros, Delphien également, exposait fièrement dans le sanctuaire les décrets votés en son honneur par différentes cités et confédérations. Je conclus. Tout suggère par conséquent que les notables Delphiens, en se l'approche des notables des régions voisines, avaient fait du sanctuaire d'Apollon le lieu privilégié de leur stratégie de promotion individuelle et familiale dans l'espace public au début du IIe siècle. Le cas des offrandes consacrées par ou pour des prêtresses d'Ilithyie est ici emblématique. Bien qu'elles ne soient pas liées à Apollon, elles empruntent, pour les deux plus récentes, une formule monumentale typique des statues honorifiques de l'Apollonion, comme nous l'avons vu, et tout tendrait à suggérer que c'est bien à l'intérieur du Théménos, non loin du temple, que s'élevaient ces effigies féminines représentatives de la bonne société delphique. Une forme de dissociation se fait jour ainsi entre la piété envers Apollon et l'utilisation de son Théménos comme espace de promotion sociale et politique. Il serait tentant, de ce point de vue, de formuler une hypothèse sur les raisons du déclin de ces bases à panneaux en relief dans les premières décennies du IIe siècle. Bien entendu, leur abandon se comprendrait aisément par un effet de mode, dans la mesure où les élites locales reprennent à leur compte cette formule à un moment où elles reculent déjà dans le domaine des offrandes publiques. Toutefois, on ne peut s'empêcher de se demander si cette évolution n'est pas liée également à un déplacement des lieux de l'offrande privée vers les espaces périphériques du sanctuaire, à un moment où la place du temple et ses abords immédiats sont investis désormais par les piliers et les statues équestres des nouveaux maîtres du monde, les consuls et impératoresses de la Rome républicaine. De façon révélatrice, on note en effet que ces ornements architecturaux, qui semblent avoir entretenu un écho avec le paysage de la terrasse du sanctuaire, du temple, se maintiennent sur quelques-unes des bases équestres offertes à des magistrats romains, ainsi que sur leur consécration, en reprenant donc des usages qui s'observaient déjà auparavant sur des bases équestres du IIIe siècle. Et c'est peut-être en ce sens qu'il faut interpréter également leur emploi pour l'offrande de Quintus Minucius Rufus d'un bloc de l'oikos de Daukos à la fin du IIe siècle avant notre ère.
blocs donc dont on peut penser qu'ils occupaient des places de choix dans le sanctuaire entre l'esplanade du pronaos et la place de l'opisthodome. Voilà, je vous remercie de votre attention et en guise d'ouverture, je me permets de présenter quelques photographies de Delphes conservées à l'Académie de Berlin que j'ai pu étudier avec l'autorisation de Klaus Allof et qui ont été donc que j'ai numérisé et qui ont été également traités et identifiés par Didier Laroche, puisque on a un exemple ici intéressant de cette archéologie de la fouille qu'il faut mener pour reconstituer l'état des trouvailles au tout début du XXe siècle, ce qui est facilité ici par environ donc 600 photographies prises entre 1900 et 1910 que j'ai commencé à référencer sur la partie sud du sanctuaire et que j'espère mettre en ligne très prochainement avec l'autorisation de Klaus Allof pour les spécialistes de Delphes sous la forme d'un lien sécurisé afin de mettre en commun l'expérience de chacun pour identifier parfois des monuments qui ont été déplacés ou des détails qui peuvent échapper à notre vigilance à la lecture des rapports. Voilà, je vous remercie de votre attention.